épisode de Two Point Hospital, comme d'habitude, juste un petit gameplay comme ça, voilà, pas besoin que ça soit un let's play, c'est juste un gameplay, juste pour rigoler. On est de retour après avoir fait n'importe quoi sur notre dernier hôpital, je vous le rappelle, on avait embauché que des trucs sexistes, on avait essayé de virer un médecin qu'on n'avait pas réussi. On a essayé de fabriquer une salle pendant 2 heures où ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, nos efforts ont payé puisque, cher directeur de l'hôpital, félicitations, le ministère de la Santé Two Point County a attribué une étoile à votre hôpital. Une sur trois possible, c'est déjà ça. J'ai repêché votre dossier dans la poubelle, on va pouvoir célébrer ça. Eh bien, merci enculé mon gars, merci. Vous pouvez continuer de développer votre entreprise à Oxford. Cela vous vaudra louange et récompense utile si vous en croyez capable. Vous pouvez aussi étendre votre organisation en ouvrant un nouvel hôpital à Lower Bullocks. C'est ce qu'on appelle courir avant de savoir marcher. C'est vous qui voyez mes phrases dans cette salutation. Alors, soit je peux continuer dans cet hôpital qui est vraiment trop petit, soit je peux partir autre part. Et c'est ce qu'on va faire. On va partir autre part. On va raser tout ça. On rase tout ça et on part du coup sur un truc un peu plus grand. Voilà, Lower Bullocks. C'est parti du coup, deuxième épisode. Enfin, on n'est vraiment pas là pour se dire « Putain, faut faire ça ». Non, non, on est juste là pour se dire « On va jouer et ça va être drôle ». Alors, il y a une sur trois et on a 319 000. Et on a 31 dollars de part. Par de quoi, je pense, de gâteau. Du coup, on est parti, c'est parti. Le Herblox, deuxième hôpital, évidemment, vous le connaissez maintenant, je suis un génie. Oh, on a déjà une salle. Je vous jure, je vais refaire la même salle que dans la dernière. Pourquoi ils ont fait ça? Psychiatrie débloquée, bien sûr. Alors, oh, par contre, ils ont été beaucoup plus intelligents que moi sur l'agencement des trucs. Alors, stop. Déjà, stop. Voilà, déjà on va faire un truc plus simple. Oh, oh, oh. j'adore parce qu'ils nous proposent de construire ça sur un truc qui plaît potentiellement à des enfants, un terrain de jeu vraiment sympa, et je peux construire là-dessus. Alors que là, on propose un truc où genre il y a un chantier, tu vois, c'est limite déjà prêt. Là c'est pareil, c'est limite déjà prêt. Et vraiment le dernier terrain, c'est genre, regardez, ils s'amusent bien ces enfants, on va construire là-dessus, c'est le moins cher. C'est génial, putain, c'est génial. Alors, moi, ce que je voudrais déplacer, c'est toute la salle, en fait. Je peux, genre, modifier toute la salle. Genre, la prendre... Ah, voilà. J'aimerais vraiment déplacer la salle, les enfants. Genre, voilà. Comme ça, ouais. Non, du coup, stop, arrête-toi. Ok, ensuite, prendre ça. Ouais, alors du coup, ouais, ça, du coup, je vois où est-ce que c'était placé. Alors, stop. Merde, je l'ai vendu. Premier banc, hop. Deuxième banc, et on va remettre du coup... Alors, on va mettre un poster ici, ouais, parce que c'est stylé. Et on va donc remettre évidemment... Putain, il est où? Je l'ai pas. Ok, c'est pas grave. Ok. Oui, on va les vendre. Nickel. Et voilà. C'est stylé, on va juste bouger ce cadre. On va juste bouger le cadre, s'il vous plaît. Permettez-moi de modifier un peu juste voilà, ça. On va bouger. Nickel. Hop là, nickel. Bon, ouais, ça c'est bon. Ensuite, éléments. Parce que là, j'ai pas mal de choses à faire avant de commencer notre empire. Enfin, quand je dis notre empire, je parle évidemment de notre richesse, notre colonisation de Mars. On va mettre deux distributeurs d'Anka, parce que on a toujours besoin de bouffer, mon gars. Et deux distributeurs de cela. Et comme c'est un truc extrêmement intelligent ce qu'ils ont fait, je vais totalement les aider. Et voilà, et leur montrer que je peux faire aussi la même chose, mais en moins beau. C'est-à-dire que je vais totalement les plagier, regardez, hop là. On va totalement faire ça, c'est totalement intelligent. Voilà, pour les gens qui attendent, voilà, pendant que leur famille est en train de mourir dans nos couloirs, nous, on peut faire ça, voilà, mettre des petits bancs sympatoches, et ils auront oublié que leur femme est morte. Voilà. Ça, c'est une petite technique que je vous donne. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Petite technique du coyote, voilà, comme ça.
En tout cas, c'est pas mal. Par contre, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, genre. Lui, il est pas du tout. Voilà. Et ben voilà, regardez déjà! C'est très beau! Tu es qui, toi? Toi, tu devrais être là-dedans. Voilà, toi, tu dois être le concierge. Ok, nickel. Pourquoi t'es pas heureux? Pourquoi t'es pas heureux? Malpropre, paresseux. Bon marché. Bon marché. C'est tellement violent. Réception, non, réception, c'est bon, tant qu'il y a lui. Ah, je vais quand même mettre une deuxième réception. Parce que j'ai vu que ça a fait le taf, hein, on est bien remonté avec l'autre. Donc, salle, on va construire du coup. Oh putain, il y a plein de trucs à faire. Déjà, on va construire une pharmacie. On va construire une pharmacie. Je vais être vraiment un peu plus économe sur les salles, parce que c'est vraiment le truc phare, en fait. C'est vraiment économiser la place, surtout. Voilà, nickel, le mélangeur du médicament, je l'ai. On va mettre un petit classeur là. Voilà, nickel. Nickel, nickel, nickel. Hop là, on peut valider. Ensuite, salle. On va mettre une deuxième salle. Une psychiatrie, comme ça a été conseillé. On va la mettre, genre, vraiment à côté. En mode, genre, ici, c'est chez les dingues. Je reviens, voilà, étendre ici. Avec, du coup, les gens qui parlent avec. Voilà, ces gens-là. Et on va mettre la blinde de fenêtre. Comme ça, les gens pourront tous la juger. Tout le monde pourront juger. Tout le monde pourra juger cette personne qui se fait agresser. Voilà. Voilà, regardez-la. Elle a un gros problème mental. Ah, jugez-la. Jugez-la, mon gars. Évidemment, on met le fauteuil plus loin. Pourquoi? Parce que comme ça nous permet de ne pas l'écouter quand elle parle. Et c'est beaucoup mieux. Des classeurs, parce que voilà. Et surtout une plante, parce que ça fait l'air frais. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Donc la psychiatrie, c'est fait. Ensuite, salle. Merde, oui, non. Hop, nickel. Voilà, ensuite, salle. Une salle de repos. Et ben, mon gars, une salle de repos, je vais la faire beaucoup plus petite parce que j'ai vu que ça ne servait à rien de la faire beaucoup trop grande. Voilà, la salle de repos, mon gars. On va juste faire une salle de repos avec un fauteuil. Deux canapés, voilà, comme ça. Des casiers, comme ceci. Hop, un, deux. 1, 2, voilà, et un distributeur de soda, voilà. Parce qu'il faut pas déconner non plus, on va pas leur payer absolument tout. Et pour moi, voilà, une salle de repos, c'est pas censé avoir genre 14 000 trucs. Distributeur d'Anka aussi, voilà. Une petite salle, plus cosy, plus intimiste, mais voilà. Au moins, on a une vraie salle, j'ai envie de te dire. Ok, là où je veux vraiment améliorer, c'est voilà. Déjà, je trouve que cette salle-là est trop grande. Cette salle-là est trop grande. Je vais la réduire. Je vais la réduire. Parce que voilà, du coup j'apprends de mes erreurs. Et moins, voilà. Ouais. Ensuite, du coup la salle je la mettrai plus par là, voilà. Et tout ce qui est en plus, je le vends. Voilà, pourquoi tu me veux pas me... Ah bah oui, parce que la porte. Voilà, nickel. Hop là. Oui, et tu vends les autres, on s'en branle, voilà. Voilà, déjà la salle était trop grande. Parce qu'en fait, ce que je veux faire ici, là, maintenant, salle, c'est la salle commune. La salle commune qui m'avait l'air assez importante. Du coup, je vais vraiment la faire un peu plus grande, un peu plus massive. Non, j'ai pas fini, j'ai pas fini, j'ai pas fini. J'ai pas fini, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Avec un peu plus de diversité sur le truc, voilà. Et vraiment une salle commune, genre... Où on peut s'y retrouver facilement. Voilà, et on peut mettre comme ça. On va mettre ça aussi en plus ça. Ça ne ressemble à rien. Hop, j'ai l'impression que ça ressemble à quelque chose, mais en fait, je suis pas sûr. Donc voilà, ça c'est bon. Ensuite, avec évidemment le poste d'infirmier ici. Cet infirmier qui, je rappelle, est sous-payé. Et un paravent là. Voilà. Il n'y aura pas d'accès ici. Ensuite, la porte de la salle commune. J'en veux une là, j'en veux une. Ah, je peux pas avoir une autre porte. Nickel. Et bah là, il y aura les fenêtres. Donc si les gens veulent passer par les fenêtres, ils peuvent. Voilà. Les casiers seront rangés de cette façon. Voilà. Et évidemment, il faut une poubelle pour notre ami qui bosse là et qui est sous-payé. Avec des lits, comme il faut. Hop. Ah là là là.
Le mec dit qu'il apprend de ses erreurs alors que c'est faux. Il a jamais appris de ses erreurs. Mackay, regardez la maboule. Non. Voilà, et du coup, est-ce que je peux mettre une plante? Ah, non, c'est bon, je peux mettre une plante sans que ça me casse, sans que ça casse les couilles de tout le monde. Voilà, bah c'est pas mal déjà. Et des petites fenêtres, sinon ils vont partir en dépression. Sinon mes patients vont partir en dépression avant la fin de l'année. Hop, 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 et hop. Et bah voilà. Et bah déjà c'est pas mal, on a une pharmacie, on a ça, je sais pas si on aura des 4 têtes d'ampoule. Je sais pas, mais on n'a pas la place pour le moment. Donc on va embaucher du monde, ce docteur là qui m'a l'air très compétent, voilà. Tu n'as pas fait des études de psy, mais maintenant tu es psy, alors tu fermes ta gueule mon gars. Tu fermes ta grande gueule. C'est vrai qu'on a encore rien commencé, hein, je préviens. Il y a encore personne qui est venu en mode putain, mais il y a ça à faire et tout. Non, on a encore rien commencé, je vous préviens. J'ai même pas fait les chiottes. Je suis même pas sûr qu'on aura la place pour les chiottes. Ah, si. Comme d'hab, c'est des chiottes intimistes, mais c'est des chiottes au moins. Premier, deuxième, ensuite le lavabo. Ne pas oublier le lavabo. Et on n'a pas le budget pour le chemin, donc tu fermes ta gueule. Et la petite poubelle qu'on va mettre entre les deux, je peux ou pas là? Voilà, ici, en plein milieu de la pièce, comme ça va déranger absolument personne. Voilà. Voilà, donc comme ça, c'est bon. Ensuite, embaucher, donc ça, c'est bon. Docteur, c'est déjà fait. Infirmier, c'est très important, infirmier. Je vais avoir besoin de Norma, que je vais mettre dans la salle là, parce qu'elle en a besoin. Embaucher. Toi tu fais ça, mais moi je veux t'embaucher, voilà, là-dedans, donc tu casses pas les couilles, et on est bon. Ah non, on est pas bon, on va tout débloquer un nouvel assistant, Cooper, voilà, on embauche des hommes, c'est les hommes en tant qu'assistants et les femmes en tant que médecins, nous sommes bons du coup, en avant. Alors, nouvelle technologie, ils ont une position intéressante. La réception de psychiatrie a été révoquée récemment par un accident avec... Enfin bref, il vaut mieux ne pas en parler. Ils veulent nous envoyer leurs patients de psychiatrie en échange d'une fonction d'exploiter certaines dans nouvelles technologies. Ouais, pour le moment, on s'en branle, mon gars. Bon, vitesse rapide, du coup, le temps qu'on s'occupe de tout ça. Il fait quoi, lui? Lui, c'est pas mon médecin psychiatre, lui? Ah, merde, mais lui, ils font un job. Et ben mon gars, tu vas dégager. Si je peux pas te soigner, tu vas dégager. Info, je peux le virer. J'aimerais te virer, mon gars. Toi, je veux te virer. Virer, voilà. Voilà, virer les employés, toi t'es viré, salut. Embaucher un médecin qui sait s'y prendre avec les enfants. J'ai pas de psy. Ah, toi t'es psy, je le sais. Voilà. Ok, d'accord. Je vais peut-être mettre des bancs près du truc, sinon ils vont attendre comme des cons. Est-ce qu'on peut passer là? Ouais, là on peut passer. Là, je vais peut-être mettre des bancs dans ce coin-là. Voilà. Est-ce que ça te dérange si je mets des bancs là? En vrai, pas du tout. Voilà. Nouvelle technologie encore. Je continue, je les enchaîne, les nouvelles technologies. Là, il y a la porte, là, il y a les trucs. Là, je passe un nouveau truc. Oh putain, il n'y a aucun brancard qui passe là-dedans, mais c'est pas grave, pour le moment, il n'y a pas besoin. Mélangeur de médicaments 2 développé. Diagnostic facile 2 débloqué. Ok, alors stop. Tout va trop vite. Nouvelle star, débloque star, vient d'être découverte. Nos médecins ont découvert une nouvelle maladie, débloque star. Les patients se prennent pour l'une des plus grandes rockstars de l'histoire, mais ils sont simplement gaga. Nous envoyons le patient se faire soigner en psychiatrie. Améliorer machine afin d'augmenter l'efficacité. Très bien. Eh bien, on va augmenter nos petites machines dégueulasses. Hein. J'ai vu que le mélangeur de médicaments pouvait être amélioré. Voilà, nickel. Et ensuite, là, il y avait le diagno facile. Je sais pas comment je fais ça. Peut-être lui, là, genre, je clique dessus. Salut, toi. Diagnostic, ouais. Attraper, non. Faire une pause, négocier le salaire. Emploi. D'accord, bon. Lui, il améliore le truc, c'est bien. C'est pour ça qu'il a été payé. Une nouvelle maladie réverbale. Nous envoyons le patient se faire soigner en pharmacie. Très bien, de toute façon, on a un nouveau truc qui arrive, comme ça.
Et c'est pas mal, on a déjà deux patients en psychiatrie qui sont en train de se faire soigner. Améliorer une machine, je suis en train de le faire, je suis en train de le faire. Roger, tiens, regarde, j'améliore la vitesse pour te montrer à quel point ça va vite. Oh, merde! Attends. Élément, 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 tiens. Tiens, casse pas les couilles, assis-toi. Voilà, assis-toi. Et mange, voilà. Et toi, tu vas boire. Voilà. Nickel. Ensuite, on va mettre quelques plantes un peu, parce que faut pas déconner. Mais on est un hôpital écolo. C'est entièrement faux. Mais j'aime bien le faire penser. Alors, si je mets une plante devant le canapé, est-ce qu'ils vont m'en vouloir? Bien sûr que oui. Donc je peux pas en mettre là-dedans. On va mettre plus de plantes un peu hein, chez vous, parce que c'est un peu la mort. Il n'y a vraiment que là-bas que ça s'est développé. Je peux en mettre près des chiottes, mon gars, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est très drôle. Attends, il y a la moitié de la salle qui est vide en fait ici. Il y a la moitié de la salle qui est vide en fait. Voilà, nickel. Améliorer une machine, nickel. On va passer en vitesse normale. Merci. La bouse de marmiton débloquée. Ok, stop, 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 stop. Beaucoup de choses à faire là. Je vais bien te faire passer. Les autres cours. D'accord, nous avons ce passage à se faire en salle commune, nickel. Nous construisons un nouveau bâtiment. Oui, je sais, il nous faut un terrain, mais pour ça, il nous faut de l'argent, mon gars. Parce que si je construis sur le truc à 75 000, je perds tout, en fait. Donc, on va détruire le truc des enfants. Je sais, c'est cruel, mais je n'ai jamais aimé les gosses. Ça dégage. Amélioration de l'hôpital, 14 jours restants. On construira le laboratoire, du coup, là-bas, et les salles de diagnostic plus élevées là-bas aussi. Alors, par contre, il n'y a plus aucun patient, du coup. Genre, on construit, du coup, il n'y a plus aucun patient. Regardez les putains, mais... Est-ce que vous pensez que votre vie est merdique? Oui, c'est vrai que ma vie est merdique, mais je ne dirais pas non plus qu'elle est... Échec du traitement. Comment ça, échec du traitement? Ah. Bah, désolé, mon gars. Désolé. Alors, les deux travaillent, là, tout le monde travaille. Toi, t'es pas agent d'entretien, mon gars? Ah non, t'as une casserole sur la gueule, c'est différent, t'as un problème. Probablement psychiatrique. Les eaux courtes, guérison totale. Nickel, bien, 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 bien. C'est un bus. Toi, j'aimerais vraiment te soigner, mais bon. Ah, mais il est là depuis quand, lui aussi? Arrivé. Il était là le 5 mars. Ça fait 25 jours qu'il est dans les couloirs. Ça n'a aucun sens. Il faudrait peut-être plus de docteurs, plus d'infirmiers pour se relayer. Ah, là, c'est construit, gros. Ok, nickel. Ensuite, salle. Donc, j'ai un laboratoire de marmiton à construire. Voilà, là-dedans, comme ceci, avec un truc pour enlever la casserole, je suppose. Voilà, comme ceci. Avec des fenêtres pour montrer que c'est totalement illégal ce qu'on fait. Et ensuite des plantes, parce que dès qu'il y a des plantes, les gens se sentent mieux. On met la poubelle à côté parce que c'est bien connu, la plante a ses besoins et elle les fera dans la poubelle. Quelqu'un est affecté à ce truc-là? Docteur nécessaire. Et eh ben, je te fais ça tout de suite. Embaucher docteur. Docteur. Le personnel de qualifié. Non, moi ce que je veux, c'est un mec qui peut me faire. Ah, et ben je m'en branle. Je vais peut-être l'engager, elle en fait. Voilà. Est-ce que tu peux aller là-dedans ou pas? Étudiante en médecine. On va dire que tu vas le faire, d'accord? Travailler au labo de marmiton. Ok, elle le fait. Nickel. Nickel, elle le fait, elle m'emmerde pas. Réputation niveau 4. Niveau 4, j'aimerais bien monter niveau 5. Bonsoir, la marmitette vient d'être découverte, ça tombe bien, le labo de marmiton est ouvert aujourd'hui même. Et donc du coup, on va pouvoir faire la déco de cette salle, parce que les gens vont gueuler, parce que moi, mais on peut pas s'asseoir, c'est la merde là mon gars, c'est quoi ce bordel? Je fais très bien le patient qui est malade et en phase terminale. C'est fou, pas du tout en phase terminale, mais ça me fait toujours rire de l'imaginer en phase terminale. Ne me prenez pas pour un psychopathe, c'est juste que j'aime bien voir les gens mourir. Voilà, donc là les gens se sont désabonnés parce qu'ils pensent que je suis un malade, chose qui est vraie. Distributeur d'encas, et bah tu sais quoi mon gars, hop là, tiens, je te mets ça ici. Ah merde, il est valide. Bon, alors stop, j'arrête. Promotion du personnel, bien sûr, qu'est-ce que tu veux que je monte ton salaire?
Ah bah tu sais quoi mon gars, vu que t'as amélioré ma machine, je te demande à 12 000. Allez, tiens, vas-y mon gars, vas-y, c'est pour toi. Guérissez 3 patients au labo de l'Armiton. Bah, c'est en train de le faire, d'ailleurs je voulais voir un petit peu comment on fait. Alors, merde, j'ai pas vu, c'est pas grave. De toute façon, il y a lui là qui va se faire soigner. Vas-y, viens. Allez, viens mon gars. Allez, allez, viens mon gars. Voilà. Bonsoir. Alors, montre-moi un peu comment on fait. Séparasterol. Oh là là. Ça m'a l'air tellement illégal, mon gars, ce qu'on est en train de faire. Boah, ça n'a aucun sens. Mais c'est plus. Déjà, c'est plus logique que le truc avec, avec l'ampoule. Quoi? Mais pourquoi tu t'en vas, toi? Mais qui es-tu pour t'en aller? Ben, tu vas aller travailler là-dedans et tu fais ta gueule. Voilà, tout le monde là-dedans, à vite. Allez, les enfants, tous là-dedans. Oh, lui, il est en dépression, mon gars. Oh, écoute, tiens, je te monte un peu ton salaire si tu veux. Hop là, nickel. Énergie. Merde, comment je fais pour lui Attends. Ah, mais va te reposer, mon gars. Voilà, fais une pause. J'ai bien compris, fais une pause. Tiens, on va embaucher un nouvel infirmier pour t'aider. Regarde, voilà, Gérald, hop là, nickel. Voilà, charge du travail. Mais non, il va te reposer pour le moment. S'il y a des gens trop vénères, allez vous reposer. Toi, t'es encore plein d'énergie. Toi, t'es en pause. Toi, là, t'es à moitié morte, non? Ouais, t'iras faire une pause après. Comment ça, emploi? Je peux même ce qu'elle fait. Le généraliste autorisé. Ah oui, vas-y, fais ce que tu veux, ma belle. Voilà, retournez travailler. Donc, au moment où vous allez, tu vas faire une pause. Voilà. Fais une pause. Chien de poule, vous avez découvert. Ouais, nickel, pharmacie. D'ailleurs, pharmacie. Jason Courgette. Où est Jason Courgette? Tu dois être Jason Courgette. Non, tu es mayonnaise. Non, ça, c'est Nora Pullover. Jason Courgette, c'était pas le mec en dépression, là? Ah, mais il fait tout, en fait, l'autre. Il travaille à pharmacie. Ok, ouais, c'est mieux, en fait. Parce que l'autre, là, il faisait tout, là, c'était la merde. T'es qui, toi, encore? Walter Rust. Assistant junior. Assistant junior. Salut, toi, c'est bon, ça va bien, nickel. Ok. Régresser 3 patients, on est en train de le faire. Quoi? Oh non, il est mort. Nous avons besoin d'un agent de maintenance qualifié en capture de fantômes. Mais mec, mais je trouve ça où? Embauche. Agent de maintenance. Il y a un mec qui fait ça. Oh, Jézabel. Tiens, arrête-le! Et ton salaire sera augmenté. Voilà. Tu peux donc attraper le fantôme, s'il te plaît. Attrape-moi ce fantôme. Allez, Jézabel. Allez, Jézabel. Putain. Tu deviens fou, toi, non? Tu as un gros problème. Ah, un message. Ah, mais attends, mais faut peut-être que je lise mes mails. Posséder une salle de diagnostic général au niveau 4. Ça, c'est un défi qu'elle me lance. Allez, vas-y, go. Nouvelle maladie d'ouvriciel en salle commune. Ok, donc salle de diagnostic. Ah. Salle de diagnostic général. Ah bah, tu sais quoi, mais c'est là-dedans que je vais faire une salle de diagnostic niveau 4. J'espère que t'es prêt parce que là, t'es pas prêt, je pense. Hein. Voilà, nickel avec. Là, en plein milieu, comme ça, pour qu'il puisse. Voilà. Avec évidemment des classeurs pour qu'il puisse checker ses trucs. Voilà, niveau 3. La petite poubelle si le patient veut vomir, c'est ici. L'extincteur pour sauver des vies, c'est là. Et la plante, mon gars, la plante de la vie. La plante qui sauve des vies. Avec évidemment la blinde de fenêtre. La blinde de fenêtre. La fenêtre ne donne pas sur l'hôpital. Mais on s'en fout, t'en as pas besoin. Ok, d'accord. Et évidemment un poster. Voilà. Et niveau 3. Et chier. Avec plus de classeurs. Allez, plus de classeurs, toujours plus de classeurs pour montrer à mon employé que je suis plus forte qu'elle. Hop, hop là. Je vous jure, on va mettre la blinde de classeurs. Attendez, stop. Hop. Hop là, tiens, le chômage, mon gars.
Ensuite, du coup, on va embaucher une nouvelle personne, on va embaucher quoi, on va embaucher un docteur. Tiens, hop, toi tu vas travailler là-dedans, t'as de casser les couilles, merci. Clinique super luxe nécessaire, faire attendre le patient. Ok. Voilà, je vais terminer, donc ça c'est bien. Salle, salle clinique super luxe, et bah mon gars, t'es tombé au bon endroit puisque on vient d'en créer une rien que pour toi, mon gars. Voilà, et c'est vraiment en plein milieu, c'est pile ce que j'aime. En vrai, j'aime bien que tout soit carré, mais quand c'est en plein milieu, c'est marrant aussi, tu vois. Voilà, avec des fenêtres pour montrer à tout le monde ce qu'on fait parce que on est les States et que les States, eh ben, on a besoin de recommandations. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, embaucher, on continue d'embaucher du monde évidemment pour ces conneries. Tiens, cadeau. On a 32 000, c'est très peu. Mais là, il n'y a plus personne dans la boule de marmiton en fait, donc j'ai l'impression. Docteur nécessaire. Il faut foutre de ma gueule. Ah, il y a un cas de marmiton qui se présente. C'est toi le docteur qui faisait ça, non? Non, mais toi, tu peux arrêter de faire une pause, merci. Il manque un docteur. Toi! Toi, tu cherches un travail. Toi, je t'ai déjà dit que ton travail, c'était là. Travail et la bonne nourriture. Voilà. Depuis tout à l'heure, on est bloqué, là, niveau 6. Il y en a marre. Ok, toi, t'es guéri, c'est cool. Celle de nuit. Voilà, bon, ça c'est bon, on commence à avoir un hôpital qui a un peu de gueule. Regardez, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Eh bien, écoutez, j'espère juste qu'on peut guérir encore un patient en marmiton, là, mon cul. Voilà. Elle est pas partie. Mais il y avait un patient... Il y avait pas un patient avec une marmite... Non, je suis désolé, il y avait un patient avec une casserole sur la gueule qui venait d'arriver. Voilà, c'est lui. Rendez-vous, où ça? Bureau de généraliste. On va faire la queue. Non, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi? Mais non. Diagnostic requis, mais je sais ce que t'as, moi. Oh là, bonsoir. Inspection de la santé. Ouh là là. Le bureau réputé des inspecteurs de santé de Puttu Point Country vient de nous informer que son inspection prochaine, monsieur au travail, a également fait une liste en pièces jointes. Vu d'ananas, carottes, chézy, grenouille, bâtonnet de poisson. Il arrivera bientôt avec un rapport positif qui aiderait grandement notre réputation. Défi impressionner le VIP par la qualité de l'hôpital. Oh. Arrive dans 4 jours. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez évidemment encore voir une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je suis content de tourner un peu du Two Point Hospital parce que c'est un jeu que j'aime bien. Et du coup la prochaine fois on verra ce que cet inspecteur de la santé aura à nous dire. On a un hôpital qui est pas dégueulasse par rapport à celui qu'on avait avant. Lui ça va, on le gère bien. On n'a pas encore évidemment tout géré puisqu'on on a fait quelques profils il y a pas longtemps, mais c'est pas assez. Donc on est parti du coup pour devenir l'hôpital le plus rentable et le plus riche de la région. C'est promis, on se fera ça pour le prochain épisode. C'était ça avec Anthony. Allez, bye! Stand because we can't.